3, 2, 1. Qu'est-ce qu'une anecdote ? Une anecdote, c'est une histoire courte qui fait partie de l'art de la conversation, qui n'a pas pour fonction de donner des leçons de morale, et pourtant, elles peuvent t'édifier, comme on dit. C'est-à-dire qu'elles peuvent nous apprendre des choses sur la vie, sur la société, sur le comportement des hommes, des gens, sur le comportement des autres, de soi-même. Une anecdote, c'est important pour illustrer. Illustrer, par exemple, la définition d'un mot. Une anecdote, en général, et je m'en suis rendu compte tout au long de l'année avec vous, c'est quelque chose qui intéresse. C'est quelque chose dont vous vous souvenez mieux, en général, que la plupart des leçons de grammaire. Et c'est comme ça. Je n'en dirai pas beaucoup plus. Aujourd'hui, trois anecdotes. Trois anecdotes tirées de la vie des classes que j'ai rencontrées ces dernières années. Ces anecdotes, je me contenterai de les raconter, de vous les présenter. Sans faire de commentaires, j'ai volontairement changé le prénom de toutes les personnes dont je raconterai l'histoire dans ces courtes anecdotes, pour protéger l'anonymat de ces personnes. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire après l'écoute de ces anecdotes ? Je vous demanderai deux travaux d'écriture courts que vous ferez pendant le temps des congés. Et n'attendons plus, première anecdote, première histoire, appelons cette histoire l'histoire de Maya. C'était un lundi matin d'hiver, particulièrement froid, dans un collège des quartiers nord de Saint-Denis. 8 heures pile, il n'y avait qu'une seule élève dans la file qui tremblotait. Elle m'a demandé si le cours aurait quand même lieu si elle restait toute seule. On a rigolé. Quand on montait, d'autres élèves de la classe se sont présentés. Tout le monde tirait un peu la tronche, personne n'avait l'air d'avoir tellement envie d'être là. Quand j'ouvrais la porte de la salle de classe, on a entendu un cri. « Je veux aller sur le vélo ! Je veux aller sur le vélo !» C'était Maya qui criait à tue-tête depuis le fond du couloir. Elle courait. Pourquoi elle criait ? « Je veux aller sur le vélo. Il faut que j'explique. » 3 semaines avant, la direction de ce collège avait décidé de faire installer des vélos d'intérieur tout neufs dans chacune des salles de classe. 2 par classe, pour être exact. C'était soi-disant pour permettre aux élèves qui n'arrivaient pas à se concentrer, qui gigotaient sur leurs chaises, de dilapider leur trop-plein d'énergie tout en restant en classe. Le principal du collège croyait que ça allait diminuer le nombre d'incidents disciplinaires dans les classes. C'était une blague. On pensera ce qu'on veut, mais ça n'allait pas régler le problème de violence qui rendait dangereux les couloirs à chaque intercours. Et c'était le plus gros problème de ce collège. Ces vélos d'intérieur, c'était un écran de fumée, comme on dit. Une belle vitrine pour faire croire que des choses étaient faites pour que le climat scolaire s'améliore dans ce collège. La vérité, c'est que ces vélos créaient de nouveaux problèmes. À chaque début de cours, plein d'élèves se chamaillaient pour savoir qui pourrait faire du vélo, et au bout de 3 semaines, 2 vélos sur 3 étaient défoncés. Tous les élèves s'étaient lassés des vélos. Ils allaient très vite partir pour la casse. Tous les élèves s'étaient lassés des vélos, sauf Maya, qui n'avait même plus besoin de se battre pour monter sur le seul vélo encore utilisable de la salle de classe. Sans dire bonjour à personne, elle est entrée la première dans la classe ce lundi matin. Et sans sortir ses affaires, elle s'est mise à pédaler. J'ai prévenu le groupe. Aujourd'hui, dictée négociée, vous savez comment travailler. Et pendant que ses camarades préparaient leurs cahiers, Maya devenait plus brillante. Elle paraissait avoir oublié qu'elle était en classe, qu'elle avait peut-être autre chose à faire que de préparer le Tour de France. Je n'ai pas élevé la voix, car Maya est une élève qui réagissait toujours très violemment à la moindre remarque d'un camarade ou d'un adulte. Elle accaparait beaucoup l'attention de tout le monde. Plusieurs fois dans l'année, elle a menacé de coups des élèves qui l'auraient regardé une seconde de trop.
elle fonctionnait beaucoup à l'intimidation. Et parmi ses camarades, personne ne semblait lui tenir tête. Et tandis qu'elle faisait de plus en plus de bruit sur son vélo, je lui ai lancé, sans réfléchir. « Je sais que t'as besoin de te dépenser, Maya, mais si je commence la dictée et que tu n'as rien pour écrire, je te connais, tu vas déranger tout le monde pour qu'on t'attende après. » Maya a souri, et elle a fait un signe de la main pour dire « D'accord, d'accord, c'est bon, j'arrête le vélo. » Et là, soudainement, une autre élève, qui était connue pour être mauvaise langue, s'est retournée vers Maya, et en ricanant, elle a dit « Le prof a dit ça parce que t'es grosse. » Maya a failli tomber du vélo et les pieds au sol, elle a couru vers la porte. Elle est sortie en claquant cette porte. Moi, je ne voulais pas laisser le groupe pour courir derrière Maya. J'ai demandé à l'une de ses amies qu'elles aillent retrouver une surveillante ou un surveillant. Je n'ai pas revu Maya à la fin de cours. L'élève qui s'était moqué d'elle s'est excusé auprès de moi, même si je sentais combien ses excuses n'étaient pas sincères. C'était une habituée des mauvais coups. Là n'est pas la question. Plus tard dans la journée, j'ai croisé Maya. Avant que je n'aie pu lui dire un mot, elle m'a pointé du doigt en disant « Vous, je vous parle plus, vous m'avez trahi. » Elle ne m'a rien dit de la semaine et maintenait envers moi son regard noir. Le lundi suivant, en fin de cours, elle a décidé de me reparler de cette affaire et je ne m'attendais pas à ce qu'elle me dise ce qu'elle m'a dit. « Monsieur, vous pouviez peut-être pas savoir, mais il y a trop de filles dans le collège qui me regardent mal. J'en ai marre. Même ma mère me dit de moins manger et de maigrir, mais j'arrive pas. Plus j'essaie de faire un régime, plus je suis malheureuse. » Et elle a continué à me parler de toutes ses angoisses liées à son apparence, au regard des autres, etc. Je ne m'attendais pas à entendre Maya révéler une telle fragilité. Elle qui semblait dominer tout le monde, qui semblait écraser les autres, qui ne se laissait jamais faire dans d'autres situations. Et tout ça pour des questions, cette fois, qui ne paraissaient pas être de son âge, soigner sa ligne, ressembler aux influenceuses, faire un régime, etc. Et pourtant si, ce n'était pas elle qui s'était plongée toute seule là-dedans, c'était le regard des autres. Ce que les autres croyaient bon pour Maya, ou ce qu'elle-même imaginait du regard des autres. Mais ça revient parfois au même. Je lui ai dit d'aller en parler à d'autres personnes, à l'infirmière, à des grandes sœurs, peut-être qu'en écoutant des plus grandes, qu'elle respecterait, dont elle respecterait la vie, elle gagnerait en assurance sur la question de son apparence. Mais évidemment, ce n'était pas gagné. Deuxième histoire, celle de Jonas. J'avais entendu parler de Jonas avant même qu'il ne se soit présenté dans ma salle de classe. L'année de cours était déjà bien commencée, on était en novembre. Un soir, le CPE du collège était venu me retrouver à la fin des cours et m'avait prévenu. « Eh, demain, prépare-toi à accueillir un drôle de coco. » Un gamin de troisième qui n'a pas été en cours depuis 2 ans, il a été viré de 4 ou 5 collèges avant. Je sais pas trop ce qu'on pourra faire de lui. Mais il arrive. Mais il vient d'où ? Il vient du nord de la France, on l'a chopé dans les quartiers là-bas, c'est son frère qui a bien voulu l'accepter, accepter de l'accueillir pour pas qu'on le mette de force dans un foyer. Son grand frère a un bon boulot dans le coin, une compagne, un appartement. Mais il a fait quoi pendant 2 ans ce gamin ? Eh bien il a traîné, il s'est fait même un petit casier. Bon, on verra bien demain ce qu'il en est. Et le lendemain, j'ai vu débarquer Jonas en classe. Très poli. « Bonjour monsieur, comment allez-vous ? Moi ça va bien, je vous remercie. » Presque timide. Il s'est assis au fond de la classe, sans se faire remarquer. Il a sorti un cahier, il souriait. On sentait bien qu'il avait déjà un vécu particulier. Une figure un peu cassée, des cicatrices. Une tristesse dans le profond du regard, il était touchant. Le premier mois, rien à dire sur lui en classe. Il essayait de s'y remettre. Il s'acharnait à mieux lire, à mieux écrire. Et il repartait de loin. C'était quand même difficile pour lui de tenir 1 heure de cours. On lui demandait souvent d'aller chercher un papier à la vie scolaire ou ailleurs pour qu'il bouge un peu. Il s'entendait bien avec ses camarades, mais dès qu'il sentait un regard insistant,
on le devinait prêt à réagir, à bondir, à se faire respecter, selon son idée du respect. Une ou deux fois, je l'ai vu attraper un autre garçon par le col, juste pour un soi-disant mauvais regard. Mais ça n'allait jamais plus loin. Avec le CPE, on se disait que ça s'annonçait pas trop mal, que Jonas allait peut-être même aller chercher le brevet professionnel en fin d'année. Lors de la première remise de bulletin, fin décembre, on a rencontré le grand frère de Jonas, qui en effet nous a paru fiable. Il nous a dit qu'il allait pousser Jonas pour qu'il lâche rien. Que c'était pas facile tous les jours, mais que c'était mille fois mieux que du temps où Jonas habitait dans le Nord. La compagne du grand frère de Jonas était présente elle aussi, je la devinais plus douteuse à propos de Jonas. Elle ne partageait pas l'assurance du grand frère de Jonas qui nous avait dit que si ça marchait pour Jonas depuis son arrivée dans le coin, c'était parce que lui, son grand frère, représentait un bon modèle. On n'avait trop rien répondu avec mon collègue. Les mois ont passé, et Jonas venait toujours en cours. Il n'était plus aussi motivé que les premiers jours, mais il ne se faisait pas trop remarquer. Quelques bêtises, parfois quelques bagarres, un incendie des poubelles, mais on faisait quand même tout pour le garder au collège bien au chaud. Je le croisais parfois dans le quartier et je sentais qu'il ne fréquentait pas forcément toujours les personnes les plus dignes de confiance dans le coin, mais passons. Avec son grand frère, on a inscrit Jonas dans une formation professionnelle pour la rentrée suivante. Une formation dans les métiers de la fabrication aéronautique. Bien. Jonas répétait qu'il allait avoir son brevet et que cette formation l'intéressait. Les vacances de Pâques ont passé et au retour, pas de Jonas. Plus de Jonas. Une semaine après, deux, toujours pas de Jonas. Avec le CPE, on a appelé partout. Le grand frère répondait plus. Le père nous a dit qu'il ne voulait rien savoir de Jonas. La mère de Jonas, pareil. Les garçons de la classe ont dit que Jonas n'était plus sur les réseaux. On a prévenu l'assistance sociale, les gendarmes au cas où, rien. Plus une trace de Jonas. L'affût complète et parfaite. Ce n'est qu'un mois et demi plus tard, quand le brevet approchait, qu'un de mes élèves m'a dit avoir reçu des nouvelles de Jonas sur Snapchat. Apparemment, Jonas était retourné dans le Nord et il se faisait loger par des gars plus grands de son quartier là-bas. J'en ai reparlé avec le CPE. Il a rappelé chez le grand frère de Jonas à tout hasard. C'est sa compagne qui a répondu. Elle nous a appris que Jonas était parti quand il avait découvert, en même temps qu'elle, la compagne du grand frère, que ce grand frère qui faisait croire qu'il était bien sous tout rapport avait construit, dans le secret, une seconde vie à l'étranger, avec une femme, avec des enfants, et s'était organisé pour tout plaquer en France. Les choses en étaient allées jusqu'aux mains entre Jonas et son grand frère. Et Jonas avait pris la fuite. Le brevet s'est passé sans lui. Plus moyen de le contacter, plus moyen de l'approcher. Troisième anecdote, troisième histoire, celle d'Adam. On trouvait souvent à dire qu'Adam était plus que les autres un élève à part, isolé. Qu'il s'adresse aux adultes ou qu'il s'adresse à ses camarades, il parlait un langage très littéraire et très imagé, inspiré de toutes ses lectures de bande dessinée qu'il ne lâchait jamais. Et ça lui valait d'être mis à l'écart par ceux de son âge. Quand on lui demandait si sa solitude dans le collège ne lui pesait pas de trop, il répondait « De toute façon, je m'en fous des autres ». Je fais mes trucs, ils font leurs trucs. Sa maman, dont le regard contenait le même fond d'inquiétude et de tourment que son fils, s'inquiétait, car Adam pouvait devenir la cible des harceleurs, isolé comme il l'était. En classe, et sans raison apparente, Adam piquait parfois des crises de colère. En plein milieu d'un cours, il se levait soudain, jetait toutes ses affaires autour, se prenait la tête entre les mains et rougissait. Puis se calmait, puis se rasseyait. Personne ne disait rien et ça ne faisait rire personne. Quand on demandait à Adam ce qu'il s'était passé, il répondait « Rien, rien, vous pouvez pas comprendre façon, vous comprenez rien. » Il refusait toute autre intervention et restait silencieux. Sa mère nous apprendrait qu'il passait par les mêmes états à la maison, sans raison, sans indice pour expliquer ses comportements. Pour une occasion quelconque en cours d'année, Adam a reçu une montre. Une montre Marvel officielle. Il semblait fasciné par l'objet. Par la montre et durant les cours, il la contemplait sans lassitude. Il l'enlevait, la remettait, l'enlevait, la manipulait, la rangeait, la ressortait. Une semaine plus tard, avant un cours de français de dernière heure,
Il n'était pas 10 minutes en avance devant la porte, contrairement à son habitude. Le cours a commencé, pas d'Adam. Et puis le voilà, il est rentré en trombe, sans frapper, sans s'excuser, sans un regard pour quiconque. Il s'est assis et n'a plus sorti sa tête de ses bras de toute l'heure. Quand on l'approchait, il se braquait. Rien à faire. Il n'aurait pas bougé. La fin de l'heure. Sonnerie. Avant que je ne dise « rangez vos affaires », il a couru vers la sortie. Plus d'Adam dans la classe. Ses camarades quittaient la classe. J'entendais des « il a quoi encore celui-là ?» Je pensais appeler la maman d'Adam pour la prévenir. Et voilà Maya, dont je vous ai déjà parlé. « Monsieur, monsieur, il y a Adam dans les escaliers, tout rouge, il pleure. » J'ai trouvé Adam, recroquevillé sur lui-même. Sur sa figure, la marque d'un coup de poing, d'une gifle. Avant qu'on lui demande, il s'est écrié. « Non mais c'est personne, hein. Je me suis donné moi-même un coup. Si vous cherchez des coupables, je sécherai les cours à vie. » Ce n'était pas le moment d'en discuter. Avec Maya toujours et Amina, une élève toujours discrète et serviable, on a ramené Adam vers la salle de classe que je n'avais pas fermée à clé. Surprise, sur mon bureau, la montre d'Adam intacte. Qui l'avait posée là ? Mystère. Un mystère jamais résolu. Dès le lendemain, j'ai retrouvé Adam comme il avait l'habitude de l'être. Ensauvagé, très bavard parfois, toujours très isolé. Comme les vacances approchaient, un goûter était prévu le vendredi. Le jeudi soir, les élèves posaient des questions. « On pourra apporter des bonbons ? Ça va si j'apporte que du Fanta ?» etc. Adam a levé la main. Parole donnée. Il s'est levé et solennellement, il s'est adressé au groupe. « Ma maman et moi, on va préparer des gâteaux pour demain. On veut savoir qui a des allergies alimentaires pour qu'on s'adapte. Notez votre allergie sur la feuille que je vais faire circuler. » Encore une fois très surpris, ses camarades n'ont trop rien dit. La feuille a circulé. Des petits rires fusaient. La feuille est revenue vers Adam. Il s'est mis debout et sans demander l'autorisation, il a demandé tout fort. « Eh, qui a écrit qu'il était allergique à moi ?» Personne n'a réagi. Et il a continué. « C'est marrant. » En rigolant, quel drôle de personnage. Je lui ai demandé cette feuille pour savoir qui avait écrit qu'il était allergique à Adam. J'ai reconnu des écritures et j'ai convoqué ses élèves. Mais ce n'est pas le propos ici. Le lendemain, Adam est arrivé avec 4 ou 5 gâteaux différents. Et personne n'y était allergique, apparemment. Et à partir de ces 3 histoires, suite à leur écoute, je vous demande de travailler sur 2 activités. La première consiste à trouver pour chacune de ces 3 histoires un mot qui lui correspond bien, un mot précis dont vous tâcherez ensuite de donner la définition sans consulter de dictionnaire. C'est la première étape du travail à faire autour de ces 3 histoires, de ces anecdotes. Deuxième partie de l'activité du travail de ce jour 13, à vous de rédiger simplement, en quelques lignes, une anecdote de collège qui montre qu'il s'y passe des choses qu'on ne peut pas vivre ailleurs, qu'on ne peut pas faire semblant de vivre à distance, qu'on a besoin de connaître pour grandir dans cet endroit qu'est le collège. À vous de jouer, je vous dis à tantôt et reposez-vous bien.